Allez! Salut les sales gosses, nouvelle vidéo aujourd'hui, les skateparks réouvrent, le temps commence à être beau. On va apprendre 5 tricks faciles pour pouvoir se la péter en skatepark. Premier tricks, Faki Reverse. Le Faki, je vous rappelle, vous êtes dans votre stance normale, sauf qu'au lieu d'avancer dans votre direction de prédilection, on va avancer vers l'arrière. Pour le Faki Reverse, on n'oublie pas ce qui va nous diriger, ce qui va nous permettre vraiment de tourner, c'est le bras et l'épaule. Et on n'oublie pas de suivre bien sûr toute cette direction avec notre regard. On n'oublie pas bien sûr de bien fléchir. Ça va nous permettre de nous rééquilibrer. Alors le hippie jump c'est très simple, il suffit juste de sauter en laissant la board au sol. On a des repères visuels sur la planche, les vis. Les pieds partent de ces vis et doivent réatterrir sur ces vis. N'oublie pas pour le hippie jump de fléchir de manière équivalente sur ses deux jambes et de sauter bien droit. La board aura la même vitesse que vous donc va avancer en même temps que vous. Quand on fléchit, on les talons bien appuyés, les pieds sur les vis et on vient bien se plier comme vu lors du premier tuto qu'on a fait. Prochain trick, c'est l'évolution un peu du hippie jump. Une fois que vous avez bien le hippie jump, vous pouvez passer à ce trick là, le body variable. Le principe, le départ sera le même, pied sur les vis. Le but du jeu, au lieu de sauter tout droit, va être de faire avec son corps un 180 degrés. Donc moi je suis régulier, je vais donc tourner en front, ce qui est le plus simple, car le regard reste toujours projeté vers l'avant. Pour ça, on fléchit, on prépare ses épaules, on se prépare à la rotation. Dès qu'on tourne, qu'on va sauter, il faut tourner le regard. Hop. Et on fléchit bien pour la réception, pour se stabiliser. Je monte dans l'autre sens. On prépare un peu les bras pour la rotation. On fléchit. On tourne et on fléchit bien. C'est parti pour le faire en roulant. Prochain trick, le birdside. On va prendre cette figure, on va voir ça en deux étapes. La première va être de venir chercher avec sa main un appui afin de pouvoir faire glisser ses roues à bord le plus loin possible devant soi. Bon, maintenant qu'on s'est bien allongé par terre, qu'on a bien roulé sur le sol, on va apprendre à se relever quand même. Donc pour se relever, ça va se passer juste avant de poser les fesses au sol. On va contracter les abdos et mettre tout son poids sur sa main pour pouvoir plier et se relever. Et le gainage qu'on aura fait va nous permettre de nous redresser le bassin sur la planche. Comme à chaque fois, la flexion va être très 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 importante. C'est ce qui va vraiment vous permettre de vous relever efficacement et de garder l'équilibre. Mais vous ne pourrez pas la réaliser si vous ne contractez pas les abdos. Petit tips, le bras. Il faut prendre son bras comme un compas. À partir du moment où on vient poser le bras, on vient vraiment tourner autour de notre bras. Et cette force va nous permettre de nous relever. Très chaud et que je vous donne toute mon âme et ma sueur pour cette vidéo. En fait, il a pris un peu de poids et voilà quoi. C'est un boomer qui parle, n'écoutez pas. Allez, on va passer au caveman maintenant, dernier trick de ce tuto.
Caveman qui est un peu un des tricks emblématiques du skateboard, surtout à ses débuts. C'est ce qui permet de monter sur la planche et de s'élancer de manière un peu plus aisée que de juste partir en roulant comme ça. Pour le caveman, main avant. Donc pour les régulars, c'est la main gauche. Pour les goofy, c'est la main droite. Le but du jeu, c'est de faire comme un balancier avec sa planche. Et au moment où elle va revenir à sa position initiale, de comme quand on est sur la planche, il va falloir la lâcher et sauter dessus. Comme chaque exercice, pour se rééquilibrer, on cherche bien à venir mettre les pieds sous les vis, sur les vis, et de bien se fléchir. L'étape numéro 1 avant de partir, board à la main en la lançant. Après, hop! Petit gap, même principe qu'en flat. On joue de ce balancier, on saute et on essaie de remettre les pieds sur les vis. Hop! On fléchit bien les épaules, toujours bien au-dessus des pieds. Et voilà, 5 tricks faciles avec les sales gosses. On n'oublie pas bien sûr de s'abonner à la page des sales gosses, à nous suivre sur Facebook, Instagram, et de suivre notre partenaire, le Père Skater. A plus les sales gosses.